Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour mes découvertes, mes favoris et mes déceptions du mois de juin 2023. Cette vidéo, c'est l'exemple type de la vidéo qui tombe à pic. Vous le savez, je fais mes découvertes, favoris et déceptions en début de mois parce que dans ces vidéos-là, je vous présente des produits qui vous seront utiles pendant le mois en cours. Je m'explique. Il y a deux produits, peut-être même plus. Mais en tout cas, il y a des produits dans cette vidéo qui vous seront utiles pour ce mois de juin, pour survivre pendant ce mois de juin. Par contre, je ne suis pas sûr que ces produits fonctionneront encore au mois de juillet. Je vous en dirai plus, bien sûr, quand je vous présenterai ces produits en question dans cette vidéo. En tout cas, je vais commencer par une déception et par un petit coup de gueule. Nous allons parler de YouTube. Mais qu'est-ce qui se passe sur YouTube? Bah, ça plante. Dis donc, qu'est-ce qu'elle a la plateforme? Donc, pour tout vous dire, moi, j'ai dû envoyer 4 fois ma vidéo sur le skin flooding. Vidéo qui a été publiée en retard, c'est indépendamment de ma bonne volonté. Moi, tout était prêt. Hein. J'ai publié cette vidéo à 15h le mardi après-midi. Et ça m'a marqué traitement en cours, traitement en cours, traitement en cours. J'ai attendu au moins jusqu'à 21-22h. Donc j'ai attendu plus de 5 heures. Le traitement n'était toujours pas effectué, même pas commencé. Donc vers 22h, sentant le vent venir, j'ai republié une deuxième fois ma vidéo, hein. Je l'ai renvoyée une deuxième fois. J'ai attendu jusqu'à à peu près 23h50, le traitement ne se faisait toujours pas. 23h50, je me dis là ça commence à être un petit peu... Bon, de toute façon ça sera en retard, mais ça commence à être un petit peu gênant. Je republie une troisième fois ma vidéo. J'attends jusqu'à à peu près 1h du matin. La vidéo ne se traitait toujours pas. Alors après, j'ai bien relu ma vidéo. Je me dis, c'est peut-être ma vidéo qui fonctionne pas. Si, elle fonctionnait. Hein. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié eh bien, une petite vidéo qui avait rien à voir pour voir si le traitement se faisait. Le traitement s'est fait. Et après, j'ai enfin pu envoyer ma vidéo vers 2h30 du matin. Bref, il faut pas faire des bugs comme ça, hein, parce que là, c'est inquiétant. Hein. Moi, j'avais plein de messages d'erreur en plus qui s'affichaient au niveau de la monétisation, au niveau de l'affichage des vidéos. Certaines de vos vidéos ne peuvent pas s'afficher. Enfin, ça a été un peu stressant. Et alors, en plus, eh bien, j'ai remarqué que j'étais pas le seul dans cette situation. Voilà, moi, par exemple, quand je lis certaines vidéos, elles ne se téléchargent pas complètement. La vidéo est téléchargée aux 3/4 et après, bah, le dernier quart, il veut pas se télécharger. Donc, je suis obligé d'actualiser, de faire un peu du forcing. Moi, au début, je pensais que c'était ma connexion qui ne fonctionnait pas. Et puis finalement, quand j'ai eu mon problème de mise en ligne de vidéo, je suis allé voir sur Twitter. Et sur Twitter, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai regardé le compte @steamyoutube, qui est donc eh bien l'assistance Twitter, mais pour les créateurs de contenu sur YouTube. Remarquez, si vous n'êtes pas créateur de contenu, vous pouvez également eh bien les taguer, hein, @steamyoutube, pour eh bien avoir une assistance si le service ne fonctionne pas. Et quand eh bien j'ai vu les @steamyoutube qui avaient les mêmes problèmes que moi, je me suis dit « Ah, ça vient pas de ma connexion, vous voyez, la lecture, elle se fait pas des fois sur YouTube. Bref, l'envoi de vidéos ne se fait pas non plus. C'est un peu inquiétant. Parce que quand on commence à avoir des petits bugs comme ça, ça veut dire qu'il y a moins de financement pour la plateforme. Peut-être qu'ils ont réduit le nombre de serveurs, la bande passante ou que sais-je encore. Donc on verra comment ça évolue. Moi, je vous invite quand même à me rejoindre sur TikTok. Parce que tous les créateurs finissent sur TikTok. Hein. J'avoue que moi, j'ai essayé Twitch. Twitch, ça marche pas mieux que YouTube. Hein. Bref. Je parle pas en plus quand je dis ça marche pas mieux de YouTube, c'est pas en matière de stats, hein, parce que si j'avais continué à faire des vidéos, des lives comme ça avec de l'interaction, parlant des soldes, des produits de beauté et tout, bon, j'avais des bonnes statistiques puisque je pouvais même être partenaire si je le voulais. Mais le problème, c'est que la plateforme, non, elle va pas. Moi, elle me va pas la plateforme. YouTube, ça commence à être limite. Rejoignez-moi sur TikTok parce que si ça continue, on va tous finir sur TikTok. Hein. Parce que là, au moins, la plateforme, elle fonctionne. Je parle au niveau technique. Bref, si vous n'arrivez pas à lire mes vidéos, si mes vidéos sont publiées un petit peu en retard, sachez que c'est pas de ma faute et que c'est la plateforme qui plante un petit peu. On va voir dans les mois qui viennent eh bien, ce qui se produit. Allez, on va passer à des petits produits quand même, comme ça, des petits produits de cosmétiques. Hein. Il n'y a presque que des cosmétiques ce mois-ci.
dans mes découvertes favoris et déceptions, et on va commencer par une trouvaille de Monsieur Beauté en Herbe. D'ailleurs, c'est le premier flacon que je dois vous présenter parce qu'il ne faudrait pas faire couler ce produit. Hein. C'est un petit peu gras, mais en même temps très efficace. Ça s'appelle Ostéoplus. C'est de la marque Sobioéthique. Voilà, Léa Nature, Sobioéthique, Aroma, huile de massage, bien-être articulaire, Ostéoplus. Ça contient 7 huiles essentielles 100% pures et biologiques. Monsieur Beauté en Herbe a trouvé ça sur Beauté Privée, mais on la trouve un peu partout. Et alors, ce truc est merveilleux pour les douleurs articulaires. J'ai testé sur moi, j'ai testé avec Monsieur Beauté en Herbe. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai des douleurs au niveau des poignets parce que j'ai un début de syndrome du canal carpien. Je mets ça, ça soulage vachement. Alors, c'est très gras, ça contient que de l'huile végétale et des huiles essentielles. Donc, forcément, après, on a du gras, hein, on a de l'huile sur la peau, mais d'un autre côté, on peut masser longtemps, ça ne sèche pas. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et juste avant d'aller se coucher, franchement, je recommande. Hein. Et c'est très économique, hein, il y en a 100 ml, mais n'en mettez pas trop parce que c'est de l'huile. Hein, et des huiles essentielles, c'est assez fort dosé. Je pense que vous êtes au courant. Ça contient notamment du menthol, du romarin, huile de sésame, huile de tournesol. Voilà, il y a de la lavandula. Donc, est-ce que c'est de la lavande? Il me semble, hein, de la menthe, citrus, gautheria, pelargonium, zingiber, calendula, camphre, prune, prunus. Donc ça, prunus almiganus, c'est... de l'huile d'amande douce, prunus aminiaca, kernel oil. Bon, c'est que des plantes, hein. C'est que des plantes si vous voulez le savoir, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Je vous recommande si vous avez des douleurs articulaires, c'est trop bien. À voir sur les jambes lourdes, j'ai pas testé parce que c'est un peu gras pour les jambes lourdes, je le précise quand même. C'est peut-être pas l'idéal pour les jambes lourdes. Il y a des gels plus mentholés que ça et plus légers que ça pour les jambes lourdes. Mais pour les douleurs articulaires, je recommande. C'est vraiment très bien. Je continue donc dans ma petite liste avec une pépite. Premier produit qui va vous sauver la vie pendant ce mois de juin. Oui, si je vous dis que j'ai... Est-ce que j'ai ou est-ce que Monsieur Beauté en Herbe a? C'est une très bonne question. Parce que des fois, c'est lui qui m'achète des produits de beauté pour me faire plaisir. Des fois, c'est moi qui vais dans des déstockers et puis qui prend plein de trucs et puis après j'oublie et je retrouve ça dans mes armoires. On a en tout cas trouvé un déodorant sans sel d'aluminium qui fonctionne réellement. Est-ce que c'est incroyable. Ça s'appelle Deo Beauty Elixir, Deo Care, Milk, Vitamines et Minérales, Sensitive, 0% d'aluminium, 48 heures de chez Nivea. Un jour, je l'ai sorti, je l'ai testé, et en fait, je me suis plus souvenu que c'était sans sel d'aluminium. Et je l'ai mis comme ça, normal, en fait. Hein. Et j'ai trouvé que c'était un peu spécial, parce que la texture est très épaisse. C'est vraiment comme de la crème. Donc même des fois, au niveau de la bille, on a du mal à faire sortir le produit. Ça sent très bon. Odeur un peu de crème Nivea, si vous aimez l'odeur de la crème Nivea, ça ressemble. C'est franchement, c'est frais, voilà, ça sent bon. Puis moi, je mettais mon déodorant, mais je disais, ah, il a quand même une texture bizarre, il est un peu épais, mais bon, c'est pas grave, hein, j'agite bien le flacon, je fais sortir le produit par la bille, etc. Puis je mettais mon petit déodorant, puis je le trouvais pas mal, je disais, bah, il est bien, il est un peu épais au niveau de la texture, mais il est bien, etc. Jusqu'au jour où je regarde le flacon, puis je me dis, mais c'est bizarre, c'est marqué que c'est sans sel d'aluminium. Je m'en étais même pas rendu compte, tellement il est efficace. Alors, est-ce qu'il est efficace pendant 48 heures? Non, faut pas pousser non plus, hein. Il est efficace une journée et demie. Donc il est déjà efficace assez longtemps. C'est-à-dire que moi, des fois, je me lave le matin. Et puis le lendemain, je me lave le soir. Donc ça fait une journée, une nuit, plus une journée. Parce que des fois, je préfère me laver le soir si j'ai une soirée pour être frais pour ma soirée, plutôt de me laver le matin. Eh ben ça tient. J'ai pas été au-delà. Oui, parce que je me lave quand même. Hein. Soit je prends une douche, soit je prends ma savonnette et mon petit gant de toilette, mais je me lave. Donc franchement, il est trop bien. Je recommande. Ben là, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. J'ai même pas d'auréole en dessous des bras. Alors c'est ça aussi que je voulais dire. Ça s'appelle déodorant, mais je trouve qu'il a un petit effet quand même antitranspirant. Sans sel d'aluminium, je sais vraiment pas ce qu'il y a à l'intérieur. Si je regarde la composition, j'y comprends pas grand-chose parce que je vois pas de composants
antitranspirant ni déodorant que je connais en tout cas. Donc, dites-moi si vous connaissez. Ce que je sais, c'est qu'il y a du silicone quand même dedans, mais vous savez, il n'y a pas de triéthylcitrate ou d'autres trucs. Moi, je connais pas. Après, je connais pas tous les ingrédients de la planète. Il y a de la glycérine aussi, donc ça, c'est bien parce que ça hydrate, mais je connais pas tous les composants déodorants de la planète. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne. Voilà, je vous le remontre, hein, c'est incroyable. Et enfin, Nivea a fait des flacons qui sont plats, comme ça on peut le retourner. Alors malheureusement, on peut le retourner, mais il est de biais. Donc il va se casser la gueule. Mais bon, on peut le mettre contre un mur, quoi. Mais enfin, hein, on a arrêté le bout arrondi, là, qui empêche de retourner son déodorant pour avoir les dernières gouttes. Là, je teste. Il y a moyen de le faire tenir plus facilement, comme il est un peu plus plat. Eh, ça, c'est trop bien. Hein. Alors là... Alors c'est le produit dont je vous disais, je ne suis pas sûr qu'il va encore fonctionner au mois de juillet parce que moi il y avait certains déodorants qui fonctionnaient bien tout au long de l'année et par contre en période de forte chaleur, en période de canicule, eh bien ça ne fonctionnait plus. Alors ça je ne sais pas si ça va fonctionner quand il fera 35-38 degrés à l'ombre, je ne peux pas vous le garantir. Mais pour votre mois de juin, c'est bien, voilà, comme ça fait une petite pause dans l'aluminium chlorohydrate. C'est incroyable. On va continuer. Alors, j'ai ma liste. C'est pas du tout dans l'ordre. Mais on va continuer dans les produits pour le corps. Si finalement, c'est un peu classé quand même. Hein. Alors, le fameux shampoing anti-pelliculaire, est-ce qu'on en parle? Le fameux shampoing anti-pelliculaire qui fonctionne vraiment, est-ce qu'on en parle? Il ne coûte rien. C'est de la marque Cosmia. Ça se vend chez Auchan. C'est un shampoing... Et un après-shampoing 2 en 1, donc déjà ça c'est génial. Mais alors en plus, eh bien, c'est un shampoing et un après-shampoing qui contient une molécule différente des autres shampoings et après-shampoings. La plupart des après-shampoings, shampoings antipelliculaires, ils contiennent, eh bien, du pyroctonolamine. Pyroctonolamine, moi ça ne fonctionne pas du tout sur moi. C'est-à-dire que j'ai toujours des démangeaisons au cuir chevelu, le cuir chevelu qui regresse, la transpiration du cuir chevelu, bref, c'est une catastrophe. Et Monsieur Beauté en Herbe, lui, il a des plaques sèches avec des petites peaux qui partent. Et ben pareil, la pyroctonolamine, qu'on trouve maintenant dans plein de marques, hein, c'est le cas dans Petrolan, Head & Shoulders, celui de Carrefour, je crois aussi, la pyroctonolamine, enfin bref... Toutes ces marques-là ont supprimé le zinc pyrithione, puisque maintenant c'est interdit, ont mis de la pyroctonolamine et ça ne fonctionne pas. Auchan, ils ont dit, non, nous on va mettre du Climbazole. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Alors j'ai lavé mes cheveux avec ça juste avant de faire ma vidéo, mes cheveux qui ne sont pas très secs, mais je voulais vous montrer le résultat, parce que j'ai pas fait de après-shampoing après, forcément c'était un 2 en 1, j'ai pas fait de masque, j'ai juste mis un tout petit peu de spray démêlant. Et regardez, mes boucles sont bien définies. J'ai pas de frisottis. J'ai des cheveux brillants. C'est vraiment incroyable. Alors d'ailleurs, j'ai tout prévu. Hein. J'ai pris une brosse et on va brosser mes cheveux parce que je voulais vous montrer les boucles, ce que ça donne quand les boucles sont un peu groupées comme ça, vous voyez. Et on va voir ce que ça donne une fois eh bien, les cheveux brossés. Ah, cette brosse qui était derrière moi, je ne la voyais plus. Donc c'est parti, oui, je vais juste un petit peu brosser mes cheveux comme ça pour redonner du volume et dégrouper, voyez, un petit peu les boucles. Voilà. Et voyez, eh ben, j'ai un beau volume. Hein. Ça n'alourdit pas le cheveu. C'est incroyable, ce produit est incroyable. Alors après, bien sûr, on peut faire une petite raie sur le côté en vitesse comme ça. Sachant que je ne sais pas si mes cheveux sont bien secs. Mais voyez... Hey. C'est incroyable, mes cheveux sont pas emmêlés, pas de frisottis et le cuir chevelu, alors on en parle, parce que là d'habitude moi je transpire du cuir chevelu comme pas possible, ça a l'air de fonctionner sur la transpiration du cuir chevelu. Là c'est pareil, c'est un produit qui va fonctionner au mois de juin, je peux pas vous garantir qu'en période de forte canicule ça fonctionne encore et toujours, pour tout ce qui est transpiration du cuir chevelu etc, mais alors là... Moi, je suis enchanté. Vraiment enchanté par ce shampoing. Je vais en faire des stocks avant qu'il disparaisse parce qu'on va encore nous interdire hein, la molécule. De toute façon, tout ce qui est trop efficace, au bout d'un moment, c'est interdit. Donc, j'irai en racheter peut-être à Auchan. Je vais en acheter quelques flacons d'avance. Parce que moi, ça va me sauver mes cheveux en été quand il fait chaud. Parce que oui, là, dans le nord, il fait chaud. Hein. Oh là là, il fait...
J'ai l'impression qu'il fait plus chaud dans le nord que dans le sud, dis donc. Bref, pépite, je vous le remontre. Parce que vous allez me dire, mais c'est lequel au fait? C'est celui-là, le Cosmia 2 en 1 anti-pelliculaire au Climbazole. Faites bien attention, hein, qu'il y ait Climbazole. Parce qu'il y a peut-être des anciennes versions de Cosmia avec du pyroctonolamine, j'en sais rien. En tout cas, bah c'est génial. Et alors après, peut-être que toutes les marques eh bien, vont suivre. Et vous allez voir plein de shampoings au Climbazole qui vont sortir. Parce que franchement, pyroctonolamine, ça fonctionne pas. Bon. On continue avec un gel douche. Si je vous montre ça, ça vous fait penser à quoi? Oui, à l'origine, il y avait un petit papier au-dessus, mais ça a disparu. Puis c'est une antenne RFID. Et dans quel magasin tous les produits ont des antennes RFID? Eh bien, tout simplement, c'est Decathlon. Ça s'appelle Offload. Et donc, c'est un gel douche, 2 en 1, corps et cheveux. J'ai pas testé dans les cheveux, faut pas abuser. Hein. À base d'arnica, effet frais, effet gommant, facilite le nettoyage de la boue. Tiens donc. Et donc, ça se vend chez Decathlon. Alors, pourquoi facilite le nettoyage de la boue? Ça, c'est pour ceux qui font du VTT dans des chemins boueux ou du motocross. Ou... Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'effet gommant. Et j'ai envie de dire l'effet massant et gommant, et surtout l'effet frais. Alors, on commence par quoi? L'effet frais ou l'effet gommant? L'effet gommant, il est léger, mais c'est comme un massage. Et alors, sur les jambes, c'est pépite. Pour tout ce qui est un petit peu capiton, vous voyez, peau d'orange, jambes sèches, ça déjà c'est génial. Mais alors en plus, ça a un effet frais qui va être génial, eh bien, notamment sur les jambes lourdes. Ça, sur les jambes lourdes, vous faites un massage des jambes avec ça, c'est tout en un. Ça va déjà gommer les jambes, parce que ça contient un Prunus Armeniaca Seed Powder, donc c'est des poudres de noyaux de Prunus Armeniaca. Donc des petits noyaux comme ça, la petite poudre de noyaux qui va vraiment gommer, qui va un petit peu tonifier aussi au niveau de tout ce qui est peau d'orange, etc. Masser en même temps aussi, parce que je trouve que ça fait un effet... c'est de la poudre, hein, donc c'est vraiment fin, c'est assez spécial comme sensation. Mais en plus avec, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Arnica Montana Flower Extract, menthol et sorbitol. Le sorbitol aussi fait un effet frais, un peu comme le menthol. J'ai appris ça en étudiant un petit peu les compositions des dentifrices, parce que sur des dentifrices, parfois, c'est pas marqué menthol, et pourtant, ça fait mentholer dans la bouche. Alors, tu te dis comment ça se fait, c'est le sorbitol. Donc, menthol plus sorbitol plus Arnica, je peux vous dire que ça... ça fait frais. Alors, c'est pas frais au point de vous... voilà, c'est quand même... voilà, hein, c'est pas comme un gel, par exemple, que vous allez mettre le gel de chez Action, spécial jambes lourdes, etc., la spéciale muscle, non. Mais c'est très agréable quand même. Et puis, masser ça, vous voyez, avec le massage, le côté tonifiant, franchement, sur les veines, les jambes lourdes, c'est génial, je vous recommande. C'est chez Decathlon, marque Offload. Mais c'est la marque de Decathlon, je pense. Hein. Voilà, Decathlon. Decathlon. Vous connaissez Decathlon? Bah, vous allez voir souvent des produits de Decathlon peut-être maintenant, hein, sur ma chaîne. Et donc ça c'est le fameux... parce que chez Decathlon tout est automatique. Hein. Tout est automatique grâce à ces petites antennes. En fait c'est une puce électronique avec une antenne. Ce que vous voyez autour c'est l'antenne. Alors la puce électronique elle est là, au bout de mon ongle. Tiens, on va peut-être parler des ongles d'ailleurs. Je sais pas c'est quoi le prochain produit dans ma liste. Non, avant de parler des ongles, on va parler des cils. On va parler du gel pousse cils Miscope. Bah, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de déception dans les vidéos découvertes favoris et déception. Alors, c'est une déception. Bon, je vous sors le produit et je vous en parle. C'est un produit donc qui ressemble à ça. C'est de la marque Miscope. Ça s'appelle Sérum Réactive pour les cils, les sourcils. Soins et beauté du regard, Eye Care and Beauty, donc ça fortifie, rallonge et épaissit. Est-ce que ça fonctionne? Je ne saurais pas vous dire parce que ça fait pas assez longtemps que je l'utilise. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce produit-là pique au niveau des yeux. Donc c'est pas évident à utiliser. Normalement, il faut le mettre sur la racine des cils. Donc moi, si je mets ça vraiment en racine des cils, il y en a un peu qui rentre dans mon œil, ça pique, c'est horrible. Ce que je fais, c'est que je le mets au niveau du thread liner, du coup, au-dessus des cils. Et je me dis qu'avec la capillarité, il y en a un peu qui va arriver jusqu'à la racine des cils. Mais c'est pas évident à appliquer. Puis j'en mets aussi sur les longueurs, parce qu'on sait jamais. Normalement, sur les longueurs, ça devrait rien faire, puisque le cil est une matière morte comme les cheveux. Mais bon, voilà, j'en mets quand même.
Au niveau efficacité, je peux pas vous dire, mais au niveau agréabilité, côté agréable du produit, c'est pas top. Franchement, ça pique. Ça pique. Et puis l'odeur, elle est pas. C'est une odeur, bon, de produit chimique. Hein, c'est sans parfum ajouté, je pense. J'espère qu'ils ont pas mis de parfum là-dedans. Non, je pense pas, parce que ça sent quand même une petite odeur de. Vous savez, la colle Cléopâtre, ça sent un peu pareil. Mais ça doit être juste les composants qui ont cette odeur-là. Oui, non. Bon, il y a pas mal d'extraits de plantes. Je pense que c'est pour ça hein, que ça me pique un peu les yeux. Parce que ben, des extraits de plantes, ouais, c'est parfois un peu irritant. Hein. Mais bon, écoutez, faites attention si vous l'utilisez. Après, c'est pas parce que moi ça me pique les yeux que vous, ça va vous piquer les yeux. Mais je voulais vous le dire, voilà. C'est pas ce qui est plus agréable à utiliser. Néanmoins, je continue le traitement. Alors malheureusement, ce qui est marqué, hein, c'est que... Ça propose donc volume, longueur, ça fortifie, ça rallonge, ça épaissit, mais ça parcourbe. Et ça par contre, je peux vous le dire, hein, ça recourbe pas les cils. Et malheureusement, ça recourbe pas les cils parce que moi, c'est surtout un problème de courbure aussi que j'ai au niveau de mes cils. On continue. Qu'est-ce qu'on a encore? Dis donc, cette vidéo va être longue. Alors, une petite assiette que je voulais vous montrer, mais je vais décaler ça à la fin. J'espère que je ne vais pas l'oublier. Là, on passe eh bien, à une petite crème pour les pieds, dis donc. La crème pour les pieds que j'ai eu dans la BioSuite Box du mois 2, donc c'était pas mai, c'était avril, il me semble. La Olala French Cosmetic Crème Pied Rafraîchissante à l'aloe vera, donc là également c'est rafraîchissant. Qu'est-ce que ça contient pour que ce soit rafraîchissant? Je regarde. Tiens, c'est surprenant. Il n'y a pas de menthol, il n'y a pas de... Sorbitol non plus. Et pourtant, c'est vrai que ça fait un petit effet frais. Bon, ça contient du gel d'aloe vera et du beurre de karité. Donc ça, ça peut agir effectivement hein, sur le côté frais. Mais c'est vrai que, tiens, je relis encore la composition. Après, à moins que ce soit dans le parfum. Il me semble pas. Il n'y a pas de menthe là-dedans, je pensais. Bon, en tout cas, j'ai testé ça pour voir si ça glissait ou pas. Et puis il y a une petite odeur citronnée quand même, c'est frais. C'est pas mentholé du coup, mais c'est frais. Bon, je voulais voir si ça glisse ou pas, ce produit-là, surtout parce que ça contient du beurre de karité. Vous le savez, normalement, une crème pour les pieds, si elle est bien formulée, ça ne doit pas glisser le lendemain sous la douche. Hein. On ne doit pas avoir les pieds qui glissent. Et là, effectivement, à l'intérieur de cette crème, il y avait glycéryl stéarate SE, qui est donc justement un texturisant qui va permettre une émulsion et qui va empêcher justement d'avoir quelque chose de trop gras et donc quelque chose qui glisse. C'est merveilleux, voilà tout ça pour ça. Cette crème est merveilleuse, effectivement. Les pieds ne sont pas gras, mais les pieds sont bien hydratés, bien nourris. J'en ai encore mis il n'y a pas longtemps. Ah oui, non, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Franchement, crème pépite pour les pieds. Si vous aimez tout ce qui est naturel, c'est vraiment pépite. 98% d'origine naturelle, 8% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Ça, c'est top. Et alors, c'est vrai que c'est frais. C'est peut-être le côté hydratant et aqueux de l'aloe vera qui rafraîchit également. L'odeur aussi est très fraîche. C'est un peu citronné. Ça c'est bien aussi, ben alors ça c'est bien aussi pour en ce moment quand on a les pieds qui sont très chauds. Moi mes baskets je les supporte plus. Je les supporte déjà plus au mois de juin. Qu'est-ce que ça va être au mois de juillet, au mois d'août? Moi je mettrais des claquettes chaussettes, tiens. Des claquettes ou des sandalettes ou je ne sais pas, mais je supporte pas la chaleur. Mais alors cette année j'ai l'impression que c'est pire que les autres années. Je ne sais pas pourquoi. Bref. On continue et on va finir avec deux produits. Enfin, il y a un truc, c'est pas vraiment un produit, mais je voulais vous le montrer. Et donc, eh bien, on va parler maintenant des ongles. Vous pouvez remarquer que ça fait un petit moment que je refais mes ongles. J'essaye de faire des petits motifs, des petites choses sympas sur mes ongles. Ma maman trouve ça joli, moi je trouve ça vraiment simplé, mais j'ai des bons retours, même sur Internet. Vous voyez, là, j'ai fait, par exemple, alors, comment j'ai fait ça? Bon. J'ai mis deux couches de durcisseur transparent de chez Yves Rocher, base SOS Resist. J'ai pris un vernis que je vais vous présenter après, qui est une marque de vernis pépite. J'ai fait juste un trait au milieu, comme ça, en un seul passage. Et regardez comment c'est opaque, même en un seul passage. Incroyable ce vernis. Et au-dessus, j'ai mis une couche de vernis transparent sèche vive. Donc celui effet gel. Et si vous regardez mes vidéos précédentes, j'avais fait la même technique en faisant 3 points de vernis un peu nacré.
Et là, j'ai refait la même chose en faisant une ligne de vernis bordeaux un peu métallisé. Mais j'ai remarqué qu'en faisant ce genre de manicure avec du vernis transparent, eh bien, ça tient vraiment très, très, très longtemps. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Parce qu'en plus, si le vernis s'écaille un petit peu, ben, comme c'est du transparent, ça se voit pas. Et pour prolonger la tenue du vernis, eh bien, on peut tout simplement remettre du transparent régulièrement dessus. Du sèche-vive, moi je remets une couche de sèche-vive tous les 3 jours et ma manucure avait tenu, je l'ai enlevée non pas parce qu'elle est abîmée mais parce que ça m'ennuyait d'avoir tout le temps les mêmes ongles. Alors vous allez me dire maintenant, mais quel est ce vernis qui permet d'avoir en un seul passage, vous voyez, quelque chose de super opaque comme ça. En plus c'est métallisé mais ça fait pas de stries, on n'a pas de traces, vous voyez, de pinceau. Eh bien ce vernis c'est tout simplement un vernis de la marque LCDT. Alors moi, ça se vend dans une pharmacie qui est à côté de chez moi. J'essaierai de vous mettre des liens, s'il y a des liens. En tout cas, c'est cruelty free et vegan. Ça s'appelle le comptoir des tendances. Et là, c'est le vernis couleur 490. Et c'est vraiment pépite. C'est vraiment pépite. Ce vernis-là, il est magnifique. Donc c'est un framboise avec des paillettes argentées dedans. C'est un vernis un petit peu dangereux parce qu'une fois qu'on l'a mis, on n'arrive plus à l'enlever. En fait, il y a tellement des petites nacres à l'intérieur que quand on essaye d'enlever eh bien, le vernis avec du dissolvant classique, la couche de brillance s'enlève au-dessus, mais les paillettes empêchent la pénétration du dissolvant à vernis à ongles, ce qui fait que les paillettes restent collées et le vernis est très difficile à enlever. Il faut vraiment tremper son doigt dans du dissolvant pendant un petit moment pour l'enlever. Mais... bah du coup ça vous fait un vernis qui tient, un vernis qui tient et qui résiste à toute épreuve. Parce que moi quand je l'avais mis seul, celui-là, sans faire mes décors, là je l'ai déjà mis, hein, je l'ai déjà porté seul, bah, je l'ai enlevé pareil parce que j'avais de la repousse, mais pas parce qu'il était abîmé. Hein. Impossible d'abîmer ce vernis. Franchement, c'est une marque de fou ce truc. Alors, également, je voulais vous parler de tout ça parce que je sais même pas si je vous ai pas déjà présenté ce vernis hein, le mois dernier ou pas, mais je voulais vous parler de tout ça aussi pour vous dire que, eh bien... même si je maltraite mes ongles, parce que là, clairement, je laisse tremper mes ongles dans du dissolvant pendant plusieurs minutes pour enlever ce vernis-là, eh bien, mes ongles, vous voyez, ne se cassent plus. Voilà. Donc ça, bah, toujours la même chose. C'était, je pense, une carence en vitamine D. Et maintenant que ma carence en vitamine D est résolue, eh bien, mes ongles, vous voyez... Enfin, résolue, j'en sais rien, mais j'en prends encore de la vitamine D. J'ai pas refait de prise de sang pour voir le taux. Mais en tout cas, mes ongles, vous voyez, sont très jolis et plus du tout fragiles. Du coup, j'ai des ongles qui poussent, qui sont assez longs. La question c'est que vais-je faire de mes ongles? Jusqu'où vais-je les laisser pousser? Écoutez, pour le moment ça me plaît bien cette longueur là, donc je laisse pousser. Mais voilà, si vous voulez savoir comment j'ai fait ça, si vous voulez savoir quel produit j'ai utilisé, si vous voulez savoir eh bien, comment je fais pour avoir des ongles qui sont durs, bah écoutez, je fais pas grand chose. Je mets quand même le durcisseur de chez Yves Rocher. Qui s'appelle la base SOS Resist. Et après... des petits dessins avec n'importe quel vernis et au-dessus sèche vive et voilà, et ça tient pendant au moins 3 à 4 semaines hein. Moi j'enlève juste parce que je me lasse et parce qu'il y a de la repousse, mais en fait eh bien je ne change pas mon vernis parce que il est abîmé. Alors d'ailleurs il me semble que j'ai une autre couleur que j'ai pas encore testée là pour le coup. Ah, j'en ai même plein. Je me souvenais plus que j'avais autant de couleurs. Alors, j'ai le rouge comme ça. Du rose fluo! Qui passe pas du tout à la caméra, mais c'est un vrai rose fluo. C'est le numéro 43, le rose fluo. Le rouge, c'est le 42. Et celui-là, c'est un genre... Petit coup de téléphone de Monsieur Beauté en Herbe. Du coup, je ne sais plus du tout où j'étais dans cette vidéo. Bon, c'est la fin, hein. De toute façon, vous aurez compris. Mais j'étais en train de présenter le vernis 230. Voilà, donc je vais vous refaire les numéros des couleurs d'ailleurs. Il est où l'autre? Donc vous avez celui-ci, c'est celui que je porte, qui est très métallisé. Hein, ça fait pas vraiment pailleté finalement quand on le porte, mais il y a pas mal de paillettes et il est difficile à enlever. C'est le 490. Il y a un autre vernis qui est un peu nacré comme ça, qui est rouge, un peu nacré. C'est le 230, c'est celui que j'étais en train de vous présenter. Puis ensuite vous avez le rose fluo qui est donc le 43. Et le rouge classique qui est le 42. Donc je testerai les autres couleurs pour savoir si elles tiennent aussi bien que ce framboise métallique. Mais en tout cas, eh bien, ça a l'air d'être pépite. C'est donc cruelty free and vegan, c'est le comptoir des tendances. Et moi je trouve ça
En pharmacie, à côté de chez moi, c'est Made in Spain. Tiens, c'est fait en Espagne, pas en Chine. En Espagne, pas en Chine. Et alors, la dernière chose que je voulais vous présenter et que je ne veux pas oublier de présenter. La fameuse assiette que j'ai reçue dans un unboxing de la part d'Anaël. Donc forcément, il y avait plein de petites douceurs à l'intérieur. En plus, le film était un peu éventré, donc j'ai pas pu vous la montrer hein, plus que ça. J'ai essayé de la prendre en photo, peut-être pour faire un post, mais c'est tellement brillant que j'arrive pas à prendre en photo. Donc du coup, je vous la montre comme ça, et bien en vidéo. Et c'est encore pour remercier Anaël, parce que franchement, ce unboxing, c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose, et maintenant je suis devenu fan en plus des coussins lyonnais. Cette petite friandise là, fait par le chocolatier, ses voisins, hein, c'est bien ça, oui, ses voisins. Bref, vous avez bon goût du côté de Lyon. Encore merci pour ces belles surprises. Bref, j'en suis encore tout ému. Prochaine vidéo, qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne? Je vais tester justement le maquillage d'Anaël, qui est le maquillage qui m'a été envoyé par Anaël. Également, il y a des masques à tester. Et il y aura peut-être, oui, c'est ce que je voulais vous dire, une vidéo bye bye make-up. Parce que j'ai encore plein de mascaras qu'il faut que je mette de côté. Notamment, alors c'est même pas encore, il faut vraiment que je mette tout dans le sac. Oui, là, voilà, j'ai le Intense Métamorphose qui est pour moi, je pense en ce moment, mon mascara préféré. Mais bon, quand je le mets, il me picote un peu les yeux, donc il faut que je le jette. J'ai encore plein de produits comme ça qui sont presque finis ou qui sont finis, donc je vais faire comme ça une vidéo bye bye make-up. Et je vais la faire maintenant pour qu'elle soit pas trop proche de mes vidéos produits terminés. Alors, parce que forcément, sinon après ça va être trop collé. Et puis peut-être un petit haul, parce que demain nous allons faire les boutiques avec Monsieur Beauté en Herbe. Et comme on va faire les boutiques, eh bien peut-être que je trouverai des pépites, ou peut-être pas. J'aimerais trouver des protections solaires. Alors, je suis en train petit à petit d'abandonner l'idée de la protection solaire en poudre, parce que je trouve pas ce que je veux. Même en pharmacie, j'ai pas trouvé. Visiblement, il existe des marques qui proposent des protections solaires en poudre compacte comme Bioderma, mais j'ai pas vu en pharmacie disponible. Donc, peut-être que je vais revenir avec des protections solaires en tube, finalement. Hein. Parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs sympas, notamment chez Hawaiian Tropic. Alors, Hawaiian Tropic, ils font une protection en poudre SPF 30, mais celle-là, je la trouve pas non plus. Et sinon, il y a un fluide pour le visage. Bref, on verra ce que je trouve. Je ne peux pas prévoir à l'avance. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.